chaque fois qu'on cherche un truc, faut toujours que ce soit perdu au milieu de nulle part. Bon alors, c'est encore loin, il y en a marre à la fin. On est arrivé à la palestre. Génial! L'armée ennemie approche. Le siège de la palestre. Qu'est-ce qu'ils font là, tous ces gens? J'en ai aucune idée. Oh, eh! Koga! Subaru! Hein? Soma? Eh, nous aussi, on est là. Ah. Yuna! Ryuo! Tout le monde est arrivé? Oui. On est venu un peu plus tôt. Ah, je vois. Bon alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle foule! Ah, ce sont tous des réfugiés victimes d'attaques de palassins, mais secourus par des chevaliers. Waouh! Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Je peux vous dire que vous allez être surpris. C'est la folie. Cet endroit est bondé. Une vraie boîte de sardines. Soma? Pardon, je suis désolé, petit. Tu sais, je voulais pas dire que c'était un problème, hein. C'est bien que vous soyez là. Ça met de l'ambiance. Allez, fais pas cette tête. Tiens, porte-toi. Oh, merci beaucoup. Ah, un sourire. Bah, je préfère ça. Ce serait pas un peu dangereux, quand même? Vous imaginez si la palestre était attaquée aujourd'hui, justement? Oui, je suis d'accord. C'est très risqué, mais... Inutile de vous faire du moron pour ça! Kiki, vous êtes là? Fan, Nachi, salut! Alors les gars, comment ça va? Oh, bon sang, Kiki, arrête! Pas devant les élèves, c'est trop la honte! Ouais, il a raison. En plus, tu dégoulines de transpiration et tu sens pas vraiment la rose. Désolé. On dirait qu'ils se connaissent tous les trois. Alors, d'après vous, professeur, il n'y a rien à craindre. Je vais te dire pourquoi. Même si de nombreuses personnes sont venues trouver refuge à la palestre, ça ne change rien. Notre défense reste sans faille. Hein? Vous ne comprenez pas. Nous avons nous-mêmes escorté tous ces gens jusqu'ici. Oui, nous, les chevaliers, on combat les palassins à travers le monde entier. On repousse toutes leurs attaques et on ramène les rescapés ici, à la palestre, où ils sont en sécurité. Je dirais qu'aujourd'hui, notre puissance d'attaque est 10 fois plus élevée qu'en temps normal. 10 fois plus élevée? Waouh, c'est dingue! Vous avez entendu ça, braves citoyens? Vous n'avez absolument aucune raison de vous inquiéter. Vous avez fait du bon travail, vous aussi. Vous méritez de vous reposer maintenant que vous êtes à la palestre. Voilà, entrez, faites comme chez vous. Oui, tout est bien dans le meilleur des mondes. Hein? Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous en faites une de ces têtes tout à coup? Maître Geki, les choses ne vont pas si bien que ça, n'est-ce pas? Nos troupes sont toutes réunies, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas prédire ce que va faire l'ennemi. Comment ça? C'est vous qui disiez qu'on n'avait pas de soucis à se faire. Réfléchis 2 minutes. Il a dit ça uniquement pour éviter une panique générale, pour que les gens ne se fassent pas de soucis. Ah, je comprends. Avec le nombre de réfugiés qu'on abrite ici, vous imaginez ce qui se passerait si l'ennemi venait à nous attaquer avec des forces plus importantes? Bien. Je vois que vous êtes tous arrivés. Genbu, le chevalier de la balance? À présent, c'est lui qui assure le commandement de tous les chevaliers réunis ici. Ouais. Autrement dit, c'est le commandant en chef de la palestre. Ah oui? Koga, montre-moi ton armure. Pardon? Oui, bien sûr.
Koga, d'où vient cette entaille? Hein? Ah, elle a été faite par un palassin lors d'un combat. Donc tu as délibérément laissé l'ennemi te frapper? Ah. Oh. Comment vous savez ça? Je le sais par l'aspect de l'entaille. Tu te reposes beaucoup trop sur ton armure pendant un combat. D'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ryo, Soma, Yuna. Oui. À votre tour, montrez-moi vos armures. C'est ce que je pensais. Vous n'êtes que des incapables. Vous êtes tous pareils. Vous ne savez toujours pas utiliser vos armures. Vous vous êtes laissé séduire par leur pouvoir sans réellement les maîtriser. Ces nouvelles armures vous ont rendu trop confiant. Tôt ou tard, cette façon d'envisager le combat vous causera des problèmes. Votre immaturité finira par vous coûter la vie. C'est un de ces savants. Ouais. Oh, vous en faites pas. Hein? Il devait être de mauvaise humeur et c'est sur nous que c'est tombé, voilà. Vous l'avez vu jouer les grands professeurs arrogants. Tu ne devrais pas dire des choses pareilles. Ah. Hein? Oui, parmi les chevaliers d'or, Genbu fait partie des plus puissants. Nous aurions énormément à apprendre de lui et de son expérience. Il a dû voir quelque chose, une chose que nous ne pourrions même pas comprendre. C'est un autre niveau de conscience. Oui, mais quand même. Il a pas à nous parler de cette manière. On est susceptible. Ben allez, les gars. Hein? Ils sont comme ça, les chevaliers d'Athéna. Ouais, ils rigolent pas. T'es crétin. Parce que tu crois qu'on rigole chez les chevaliers d'acier, hein? Il a raison. Allez, c'est l'heure de l'entraînement. En avant. Mais lâchez-moi, bande de gros loups. Oh. Bon alors, qu'est-ce qu'on est censé faire, maintenant? La réponse à cette question me semble pourtant évidente. Peu importe ce qu'en dit Genbu, nous ferons ce que nous avons à faire, quoi qu'il en coûte. Nous nous battrons, car nous sommes les chevaliers d'Athéna. Genbu, vous n'auriez pas été un peu dur avec ces jeunes chevaliers? Ils s'entraînent très dur, ils essaient de s'améliorer et font de leur mieux. J'en suis conscient. Pourtant, ce n'est pas en étant indulgent qu'ils progresseront. J'ai tout à fait conscience de leur puissance. Malheureusement, la route est encore bien longue. Tôt ou tard, ils devront faire face à leurs problèmes. S'ils désirent passer au niveau supérieur, je fonde de grands espoirs en eux, et le jour viendra peut-être où ils parviendront à atteindre ce à quoi tout chevalier aspire. La maîtrise ultime. Tu as formé de bonnes recrues, Geki. Je te félicite. Oh, je vous remercie, Genbu. À présent, la question est de savoir comment gérer la situation actuelle. Certes, nous avons une importante puissance d'attaque à la palestre, mais dire qu'elle est 10 fois plus élevée que d'habitude serait exagéré. Qu'en penses-tu? Oh, eh bien... Haruto? Et c'est qui celui-là? Un éclaireur palassin que j'ai capturé et interrogé. Et? Qu'as-tu découvert? Qu'on est tombé dans leur piège. Ils se sont laissés battre délibérément, permettant ainsi aux chevaliers de secourir les rescapés. Ils se doutaient que nous les amènerions ici à la palestre. Ils avaient tout prévu depuis le début dans les moindres détails. Je m'en doutais. Nous avons sous-estimé notre ennemi et c'est une erreur qui pourrait nous être fatale. Ils sont encore plus dangereux que nous pensions. Palassin de deuxième rang, et c'est moi qui donne les ordres ici. À mon commandement, en avant, marche! Ah,
Ils arrivent. Tu m'impressionnes. Mettre au point une stratégie si complexe, ça m'étonne de toi, Hyperion. Tu as réussi à regrouper tous les chevaliers au même endroit. Écraser tous ces insectes un par un aurait été beaucoup trop fastidieux. Pourquoi perdre du temps inutilement? Il était plus facile de tous les réunir pour mieux les tuer. Et beaucoup plus efficace de surcroît. Quel plan démoniaque. La victoire doit être totale. J'attends des résultats. Tout repose sur Aegir à présent. Voyons s'il est à la hauteur de nos attentes. Vous avez vu ça? Ils sont des centaines! Oh, regardez! Ils arrivent de tous les côtés! La palestre est complètement cernée! Ils s'engagent sur le pont! Ils se rapprochent! En avant, les gars! Avec plaisir! Qu'ils approchent! On est 10 fois plus puissants que d'habitude! On va les écraser et n'en faire qu'une bouchée! Venez, on va les arrêter à la porte! Non! Kenbu? Vous allez rester ici. Je vous interdis d'aller vous battre, c'est compris? Et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'on est censé faire en attendant? Hein? Silence, taisez-vous et observez. Oh, c'est pas vrai! C'est de la folie! Il pourra pas tous les vaincre à lui seul! Écoutez bien! Le nombre ne décide pas de l'issue d'un combat! Oh non, c'est... Ah! Non! C'est pas possible! L'art du combat, leçon numéro 1. La victoire revient au cosmos le plus puissant. Voilà l'enseignement de mon vieux maître Doko. Le vieux maître Doko? Je le connais, c'était aussi le maître de mon père. À l'époque, lui aussi avait reçu son enseignement. C'est pas le moment de parler de ça! On a un problème plus important à régler! Il a raison! J'ai l'impression d'entendre un professeur! Un professeur? Serait-il possible que Genbu veuille nous enseigner quelque chose au travers de ce combat? Genbu, écoute-moi! Les chevaliers doivent vivre dans l'idée que l'avenir est incertain. Invisible. Hein? Quoi? L'avenir est invisible? Par exemple, ayant suivi mon enseignement, il viendra un jour où tu seras beaucoup plus puissant que moi. Tu l'as dit, Bouffi. Cependant, l'un des étudiants que tu entraîneras deviendra à son tour plus fort que toi. Hein? Et son élève deviendra plus puissant que lui. Si ce schéma se répète à l'infini, il se pourrait qu'un jour apparaisse un guerrier capable d'atteindre ce que tout chevalier désire. La maîtrise ultime. Quoi? À ce point-là, va falloir être vachement patient. C'est vrai, c'est une question de patience. Maître, j'ai le sentiment de comprendre enfin ce que vous ressentiez à l'époque. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Jeune chevalier, certaines choses ne peuvent être exprimées avec des mots. Alors je vous les montrerai. Voici donc les principes de l'art du combat que m'a enseigné mon maître. Approchez. Leçon numéro 2. Ne pas sous-estimer l'ennemi. Considérez que chaque attaque peut être potentiellement mortelle. Encerclez-le! Et voici à présent la leçon numéro 3. Vous devez être à la fois en garde et en attaque. Que vos coups soient précis, rapides et francs. Marteau du démon, météorite!
dois admettre que cette attaque était puissante. Mais cette puissance émane de ton arme et non de toi. Un détail qui fait toute la différence. Hein? Ça veut dire quoi? T'es en train de me traiter de loser? Exactement. Les armes ne nous procurent qu'une force éphémère. Sans un entraînement rigoureux, ton attaque peut se retourner contre toi. Voici maintenant la leçon numéro 4. Ne jamais dépendre d'une force qui n'est pas la sienne. Oh, je comprends. Je comptais trop sur le pouvoir de mon armure. Oui, tout est clair. Je pensais que c'était elle qui me donnait sa puissance, mais j'avais tort. Tu n'étais pas le seul, Koga. Hein? Ceux qui dépendent d'une force empruntée ne peuvent utiliser le plein potentiel de leur armure. C'est l'une des premières choses qu'on nous enseigne. Malgré ça, nous l'avions complètement oublié. Recule, TB. Ce n'est pas un adversaire pour quelqu'un de ton rang. Il semble que tu aies vaincu tous mes hommes. Tu dois être leur commandant en chef. Tes petits soldats n'ont pas reçu un bon entraînement. Tu sembles incapable de jauger la puissance d'un ennemi. Ça suffit. Tu fais preuve d'une grande arrogance. Tu mérites une bonne leçon. Prépare-toi à affronter un palassin de deuxième rang. Je suis Aegir au gantelet, maître du fantôme arme. Si c'est ce que tu veux, c'est moi qui attaquerai le premier. Ah, le poing des cinq vieillards. La main sionique. Est-ce que tu connais cette faculté que les humains peuvent développer de façon insignifiante? La télékinésie? Mon fantôme arme me permet justement de développer ce phénomène au maximum. Tu te retrouves donc à ma merci. Eh bien, c'est un outil efficace, c'est vrai. Mais cette tactique défensive ne te permettra pas de me vaincre. Qui t'a dit qu'elle servait uniquement à la défense? Royeur indestructible! La griffe fantôme! En théorie, le pouvoir de ma griffe est sans limite. Elle peut écraser et réduire à néant toute matière dans le monde. Garo ! Les chevaliers ne pourront jamais battre les palassins, alors inutile de résister. Aegir ! Hein ? Tu as dit que tu pouvais écraser et réduire à néant toute matière dans le monde ! En effet, c'est ce que j'ai dit. Il n'existe rien ici-bas qui puisse résister à ma griffe. Pas même une armure d'or trempée dans le métal suprême, l'oricalque. Inutile donc de lutter. Ça, c'est ce que nous allons voir. Quoi? Que se passe-t-il? Impossible! Tu n'es qu'un pauvre imbécile, Aegir. Tu m'as lourdement sous-estimé. Je suis Genbu, chevalier d'or de la balance. Même la plus puissante armure d'or ne peut pas être aussi solide. Cette force n'émane pas que de mon armure. Comment? Sans un cosmos suffisamment fort et maîtrisé, la plus robuste des armures n'est qu'un tas de ferrailles sans intérêt. En revanche, lorsqu'elle est associée à un cosmos discipliné, une armure est dotée de pouvoirs illimités. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la première leçon de l'art du combat. La victoire revient au cosmos le plus puissant. Aegir, tu es loin d'être à la hauteur. Par ta faute, je suis humilié. L'épée sacrée du seigneur Hyperion ! Est-il possible qu'il me laisse l'utiliser ? Une épée sacrée ? Mais alors, quelle est cette aura macabre qui s'en dégage ? Il est clair que ce n'est pas une arme ordinaire. Écoutez-moi, chevalier ! Voici l'instrument de votre perte ! L'épée sacrée de la destruction ! L'arme dévastatrice ultime ! Rien ne résiste à son tranchant ! Maintenant,
La deuxième manche peut commencer.